Ce qui est exposé à Austerlitz, c'est un projet qui s'appelle Mondial TM, comme trademark. J'ai resserré sur l'humain, essentiellement sur les visages et les bustes, mais surtout sur le visage et le regard. L'idée était de prendre le métissage humain, de prendre un concept positif de la mondialisation et de le pousser jusqu'à l'absurde, jusqu'aux produits marchands en fait. Depuis une bonne quinzaine d'années, je travaille sur palette graphique, l'outil numérique. Ça m'a redonné en fait un désir de création plus que de dessin. Et maintenant, je me présente plus, si on peut dire, comme un créateur plus que comme un dessinateur. Je suis parti de trois personnages emblématiques de l'humanité en couleur, une occidentale, une africaine et une asiatique, et que j'ai, grâce à l'outil numérique, pu métisser, hybrider, en apportant des choses de chaque culture. Et puis j'ai réalisé plus de 300 portraits à partir de ces trois de base. La gare d'Austerlitz, qui est une espèce de carrefour où les gens passent, finalement ça colle parfaitement avec le sujet du livre, quoi, le métissage humain et le brassage des populations, quelque chose qui m'intéresse.